Ok les potes, petite boutique d'aujourd'hui, on est le 10 décembre, voilà, j'ai envie de vous dire, bientôt l'événement qui est dans 4 jours, vous pouvez le savoir, je pense que tout le monde est au courant, d'ailleurs c'est beaucoup de gens ont hâte, même moi qui suis pas très fan de Star Wars, j'ai hâte parce que dès qu'il y a un événement sur Fortnite, je veux aller le voir comme je pense tout le monde, donc c'est bien sûr pour Heure Belgique, France, Suisse, etc., c'est à 20h, mais pour le Canada, bien sûr, c'est aux horaires du coup des États-Unis, donc à 14h, je pense que tout le monde le sait, et bien sûr, sans surprise, à chaque événement, arriver 30 minutes plus tôt, parce que voilà, ça va commencer avant, forcément. Et apparemment, l'événement va durer assez longtemps, donc arriver avant les postes, c'est mieux. D'accord? À 19h30, vous êtes tous devant votre PC, allumez votre console, votre PC, votre téléphone, si vous jouez sur téléphone, genre Wish, peu importe votre plateforme que vous jouez, allumez direct et puis préparez-vous à jouer, à lancer la game. Je pense qu'il y aura en plus un, comme à chaque fois, en général, ils mettent un mode spécial. Normalement, donc je pense qu'ils vont faire ça aussi. J'espère parce que, en vrai, si les gens vous tuent dans la game et que vous verrez l'événement, ça va être plutôt faire rager tout le monde. Donc, normalement, maintenant ils ont fait un nouveau système depuis quelques saisons. Maintenant, ils ont ça. Donc, ils devraient normalement pas se tuer dans la game. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. L'événement se passe à Reskiril. Je pense que pas de secret. Hein. Ça, voilà, c'est l'avant-première entre guillemets. C'est comme si vous étiez en direct live dans l'événement. Donc, les gens dans la vraie vie vont aussi le voir en même temps que vous. Sauf que vous allez voir dans le jeu. Donc c'est pas génial, il n'y a que Fortnite qui font des trucs comme ça. Ils ont déjà fait un truc similaire avec Marshmallow en février. Et là ils ont refont ça avec Star Wars. Moi j'aime bien quand ils font des trucs comme ça, Epic Games. T'as donné envie d'être encore plus dessus, vous voyez ce que je veux dire? Faudrait qu'ils fassent plus d'événements plus souvent et il y aura plus de gens qui resteraient, je pense. Du coup c'est parti pour la petite boutique de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Est-ce qu'on a des trucs nouveaux ou pas? Est-ce qu'on a des trucs nouveaux? Non. Rien de nouveau. Donc les V-Bucks ne bougent pas. Ok, nous avons le retour du petit skin du coup pour la deuxième apparition, le skin Agent du Chaos, que je possède beaucoup. J'aime bien ce skin en vrai. J'adore ce skin, j'adore. C'est un skin que j'adore beaucoup. Je sais pas, son style me plaît, il me fait penser un peu à un côté mafieux. Mais en même temps, on voit bien que c'est un méchant. Ouais, on voit bien que c'est pas gentil déjà. Et puis je sais pas, il y a un petit côté fin. Je sais pas. Je sais pas comment vous décrire le personnage. Mais voilà, t'as pas très envie de t'affronter à lui personnellement. Mais j'aime beaucoup en plus les deux customs. Et le deuxième custom fait penser à un, je sais plus comment on appelle le gars qu'on voit dans la nuit, qui est un espèce de. Qui est noir là, comme ça là, qui est peut-être comme ça. Je sais plus comment on l'appelle. Dites-moi si vous vous rappelez du nom, parce que je sais plus comment on l'appelle. Mais il y a beaucoup de gens, il y a des mythes sur lui et tout. Fait penser à ce personnage là, mythique, un peu genre le personnage que t'as pas trop envie de croiser dans la forêt. Et vous voyez ce que je veux dire? Du coup, à 1500 V-Bucks avec ce petit sac à dos là, qui est plutôt sympathique aussi, le sac à dos. Je mets sûrement beaucoup sur des skins de couleur noire. Ça passe partout, en plus il est hyper fin. Donc vraiment, c'est un. Voilà. Pour 1500 V-Bucks, je trouve que c'est un skin qui vaut le coup pour ma part. Vous avez également la petite pioche qui ressemble beaucoup au skin. Que d'ailleurs, j'ai mentionné, elle va rusher sauver le monde pour acheter cette pioche. 800 V-Bucks avec deux customs, enfin. Voilà, deux petits customs. Deux customs, j'ai encore des bêtises en plus. Qui est animé, je voulais dire. Deux customs. Je suis fatigué, moi. Voilà, là. Je suis fatigué, les gars. Deux customs, je voulais dire par rapport aux vêtements, bref. Du coup, vous avez également le revêtement noir visqueux. Voilà, toujours à peu près le même style que le skin. 500 V-Bucks, un petit peu animé. Voilà, ça fait un petit peu glauque et tout. En vrai, ça fait stylé. On dirait comme la matière noire, vous savez, le truc un peu comme les trucs dans les films, là, vous voyez. La matière noire, on appelle ça. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Un petit. Pétrole. Hein? Pétrole. Oui, aussi, au pétrole aussi. Tout à fait. Alors, ça, c'est une couleur en plus. Mais tu sais, les trucs comme dans. Pour ceux qui connaissent Stranger Things, bien entendu, vous verrez de quoi je parle. Ça fait penser à ça, les trucs visqueux qu'il y a et tout. Ça fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est fait exprès, hein, pour que ça fasse un petit clin d'œil. Big Game, des fois, il faut des petits trucs comme ça. La saucisse, là, franchement. J'ai vu, en vrai, il est plutôt stylé, hein, en vrai. Avec la casquette, bien sûr. Sans casquette, il est chauve. Hein, une saucisse, quoi. Mais il a quand même un style marrant, je trouve. À 1200 V-Bucks avec une petite traînée de saucisse. J'espère que votre chien gagne pas l'écran à ce moment-là, si tu voudrais bouffer votre écran. Voilà, des saucisses, pourquoi pas, hein, je veux dire, Epic Games. Je sais pas ce qu'ils ont avec la nourriture en vrai, entre les bananes, bientôt ils vont faire des fraises, des ananas peut-être aussi. Avec peut-être bientôt un steak haché. Imaginez, jouer en steak haché. Ah, et pourquoi pas, hein, je veux dire, il y a des saucisses, nous avons les bananes, vous avez pratiquement tous les légumes, vous avez même les fruits et les légumes, y compris les plantes. J'ai pas ça pour les cactus, qui est en boutique à l'instant, qui revient en boutique. Ouais, je sais pas ce que ce soit avec les nourritures Epic Games. Ils aiment bien faire des skins de nourriture. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même beaucoup de gens qui les achètent. Hein. Le cactus, il y en a plein qui l'ont acheté parce que il avait Paradise, il y avait plein de cactus pour faire des trolls
aux ennemis, c'est plutôt marrant. Le petit skin Archange de retour en boutique. Voilà, couleur ange, bien sûr. Qui était sorti la première fois l'année dernière à Noël en plus. Je crois que c'était sorti le jour de Noël, je crois, ou un jour après Noël. Donc ce skin-là était à la base des skins qui étaient à Noël. Je m'en souviens, j'ai fait la boutique exprès en diffusion, je me rappelle très bien. Petit skin à 1200 V-Bucks, 2000 V-Bucks quand même, c'est pas. C'est un skin beau, mais voilà. Les ailes, après, les belles ailes sont belles. Mais après, en game, c'est pas super discret. Mais les ailes, quand même, sont. Même avec le skin que j'ai là, le skin de Noël que j'ai là, ça fait vachement bien les ailes en vrai. Ça passe crème de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. Genre, sympa, hein. Noël, avec des ailes. Pourquoi pas? Le petit revêtement, du coup, divin à 500 V-Bucks. Bon, rien de trop. Il est un petit peu animé, mais vraiment léger hein, pour 500 V-Bucks. Voilà, c'est pas très très grandement animé, hein. C'est vraiment hyper léger, mais il est quand même joli. Les couleurs dorées un peu et blanches comme ça, un peu couleur Noël. Voilà, c'est pas trop moche en plus. La petite pioche plutôt sympathique, 800 V-Bucks, la Virtuose. Petite pioche très fine, plutôt sympa. En plus, la petite flamme bleue, ça fait plutôt joli. Le petit skin du coup, diabolique, c'est facile. On passe de l'ange au diable. Bon, là, franchement, il a une tête, voilà, faut pas le chercher celui-là, à mon avis. Je pense pas qu'il va pas faire copain avec vous, hein, celui-là. 1500 V-Bucks, du coup, le petit skin qui est sorti l'année dernière aussi, à la saison 7, avec ses ailes. Même sur le skin que j'ai là, les ailes vont du diable aussi. Je vous jure, ça fait vachement bien avec aussi. Je suis choqué. Je vais me foutre des ailes à mon skin, c'est continu. Hein. En vrai, ça fait stylé, ouais. Je m'attendais pas que ça fasse aussi bien avec lui. Du coup, le petit skin, du coup, Zebut, qui te retourne en boutique, avec bien sûr sa pioche. En vrai, j'aime beaucoup la pioche du skin Zebut. En vrai, son œil qui bouge là, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. On dirait, vous savez, un truc maléfique là. Les corbeaux qui te surveillent et qui sont prêts à t'attaquer si tu fais un geste. Bah, ça fait penser à ça. Je sais pas. Peut-être un jour je l'achèterai. J'ai pas assez de V-Bucks pour l'acheter, c'est dommage. Il me manque 200 V-Bucks et je l'aurais acheté. Ça fait un an que je veux cette pioche. Et à chaque fois, je n'ai pas les V-Bucks quand elle sort. C'est un truc de dingue. À chaque fois, hein. C'est un truc de ouf, on dirait que ça fait exprès. 1200 V-Bucks la pioche. Ça fait chier de pas. Elle serait à 800, je l'aurais déjà pris les potes. Depuis longtemps. Ensuite, on avait également la petite pioche. Voilà, qui date de la saison 5. On la connaît bien, cette petite pioche. La claquante. Ensuite, nous avons la pose en cactus, forcément. Puisqu'on a ce qu'il y avait dans la boutique. Ça paraît logique. Pour le servir V-Bucks. Ensuite, la danse déhanchée. 500 V-Bucks. Là, on la connaît bien. Depuis longtemps qu'elle existe, cette danse-là, maintenant. C'est plus une danse que personne connaît, hein, en vrai. Je l'aime beaucoup. Et beaucoup de gens là cette danse-là, en vrai, dans leur potasie, en moins. Du moins, tous ceux qui sont là depuis le début de la saison, 3, 4, 5, 6, tout là, moins généralement, vous l'avez tous dans votre casier, au moins, de l'avoir déjà vu en quelqu'un le faire. Le petit skin, du coup, que je vous disais tout à l'heure, le cactus, hein. Et puis, game, entre les nourritures, les plantes et bientôt, et puis les animaux, parce qu'il y a aussi des chiens, vous avez un sac à dos avec un chat, enfin, voilà. Ils aiment bien mettre des skins de ouf, comme ça. Mais il y en a plein qu'ils achètent, sachez-le. Croyez pas, j'ai vu plein de gens acheter des skins buissons. Alors, pourquoi pas? Et puis, à ça près. Mais ça m'est bug, du coup, le petit skin cactus, du coup, épineuse. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont faire la version mec, hein, parce que ça, c'est la version fille. Un jour, vous allez voir, ils vont faire un skin pareil, mais en version mec. Vous pariez combien? J'ai lancé des paris, Franchement. Le petit skin, du coup, survivaliste, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un des tout premiers skins de Bad Fortnite. Et pourtant, je l'aime beaucoup, parce que c'est un skin un peu tryhard. Un peu côté militaire, un peu voilà, rebelle, je sais pas. Il y a le côté masculin et j'aime beaucoup forcément. Petit skin à 1200 V-Bucks. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas le sac à dos ce skin, mais bon, avant je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de sac à dos dans le skin de saison 1, etc. Donc peut-être qu'un jour ils en mettront, peut-être plus tard, je ne sais pas. Parce que même le skin Ghoul avant, lui non plus, il n'y avait pas de sac à dos. Si vous remarquez bien, il n'a pas de sac à dos non plus. Tous les premiers skins de la saison, entre saison 1 et saison 2, ils n'avaient pas forcément de sac à dos. Le sac à dos serait plus tard. Donc en vrai, j'espère qu'un jour ils en mettront. La pizza, voilà, soirée pizza. Si vous êtes parti de la team tomate, cette danse, elle est faite pour vous. Je vous le dis, moi. La danse pizza, quoi. Qui aime pas les pizzas, les gars? On aime tous les pizzas, en général. Enfin, je crois. Sinon, vous avez un problème, là, je pense. Enfin, je rigole. Je plaisante. Du coup, les potes, on se dit à demain, du coup, pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, dans la boutique, le petit code, bien sûr, très important. J'ai la gameuse, en majuscule ou en minuscule. C'est comme vous voulez. C'est pareil, de toute façon, ça valide dans tous les cas. Et le petit code est valable 10 jours à chaque fois. Avant c'était 14 jours, mais on l'a mis à 10 jours maintenant. Donc voilà, c'est pareil, à 4 jours près. N'oubliez pas de le remettre à chaque fois dans la boutique de Fortnite. Sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos.
Demain, il y aura l'épisode 6 de Limbo, pour ceux qui aiment bien regarder et me voir rager sur ce jeu, parce que je rage vraiment. Si vous voulez allez voir celle d'aujourd'hui, j'ai ragé vraiment beaucoup. En plus, je l'ai fêté le réveil, donc ne dis pas que je jouais comme de la merde, pas possible. Je vous le dis. Bref, allez, à demain. Ciao.